aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un haul mode avec des vêtements, des accessoires, un petit peu tout comme d'habitude et avec essayage. Je cherchais des pulls avec encolure ouverte, je voulais pas quelque chose de fermé. Et j'ai trouvé ce pull là qui est, comme vous pouvez le voir, vous savez, ça se rabat comme ça au niveau du col. Et c'est très large, comme ça vous pouvez soit ouvrir les épaules, soit d'un seul côté, soit faire un col traditionnel qui viendrait plutôt décolleter juste devant. Et je voulais également une couleur claire comme ça et pas du noir ou du gris ou du marron foncé. Et donc je suis super contente, il est tout doux et en plus j'ai eu un prix très intéressant puisqu'il est à 12,99€ au lieu de 24,99€. C'était le seul qui restait de cette couleur là et qui était en solde, donc tant mieux pour moi. Et voilà, je suis contente, je le trouve vraiment très joli et vraiment pour la saison avant l'hiver très froid, je trouve que ça fait un petit peu entre deux, j'aime vraiment bien ce pull là. Dans le même style, j'ai pris celui-ci qui est cette fois-ci en matière sweat noire et avec un col comme ça ouvert également assez large, mais un petit peu moins large quand même que l'autre, avec des manches bouffantes et resserrées au poignet, resserrées à la taille également. Et il est complètement tout noir comme ça. Et celui-ci était à 14,90€, vraiment j'aime bien, ça fait très décontracté, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trouvé ce bomber là chez Kiabi, il est comme vous pouvez voir avec un imprimé fleuri qui est très frais, très agréable, qui change des couleurs foncées. Il est pas épais du tout, hein. Il est à peine doublé mais quelque chose de très fin sur tout le corps et pas doublé du tout au niveau des manches. Et voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci, ça doit être 14 euros, quelque chose comme ça. Vraiment, ça vaut le coup à ce prix-là. C'est vrai que c'est fin, c'est pas vraiment pour là tout de suite, sauf pour quand vous avez des beaux jours. Mais vraiment, Kiabi, ils s'améliorent vraiment. Ils ont des trucs super sympas maintenant. On adore. Chez H&M, j'ai pris deux leggings qui sont vraiment très épais. C'est pas du legging tout fin, style collant. Et du coup j'ai pris ce style là qui fait assez décontracté en noir et avec une bande rouge et blanche de chaque côté. Et j'aime vraiment bien puisque l'élastique au niveau de la taille est assez large, comme ça ça tient bien. Et il est très long, hein, il va vraiment jusqu'à la cheville largement. Et voilà, 9,99€ pour ce legging. J'ai pris le même qui est à 9,99€ également, qui est noir, exactement la même matière, mais avec une bande jaune moutarde sur le côté. Je trouve ça vraiment très sympa, et vraiment bien, et assez épais, très bien. Une petite pépite que j'ai pris également à Kiabi. Je cherchais un manteau de couleur claire, pas de noir ni de gris pour cette année, et j'ai trouvé ce beau manteau-là, comme ça, en beige. Comme vous pouvez voir, avec des boutons style écaille de tortue. Il est à l'arrière, il a une fente au milieu comme ça. Et voilà, il est de longueur, il arrive à peu près à mi-cuisse. Je voulais pas quelque chose de trop long parce que ça a vraiment tendance à me tasser, donc je voulais éviter ça. Et du coup, j'aime vraiment bien, il est très chouette, il a deux poches comme ça sur le côté. Et vraiment bien, au niveau de la chaleur... Je pense pas qu'ils tiennent très chaud, hein, au niveau de l'hiver, quand il fera bien froid, ce sera peut-être un petit peu trop léger. Mais vraiment, je suis très contente de ce manteau. Regardez. Il est vraiment chouette. Donc, à Kiabi pour 35€. Je suis vraiment contente de ce manteau. Sinon j'ai pris une tenue de sport pour courir, j'ai renouvelé un petit peu mes tenues et je suis allée à Decathlon. J'ai pris ce legging noir avec le logo Adidas comme ça sur le côté au niveau du, mollet. Et voilà, il est comme ça, tout noir sinon, et avec le petit logo comme ça à l'arrière. Et pour aller avec, j'ai opté pour ce t-shirt, ce n'est pas du tout un ensemble, hein, c'est séparément. Et voilà, qui est dans le même style, noir avec le logo blanc.
Le legging était à 25 euros et le t-shirt à 12. Et il est comme ça à l'arrière. Et pour mettre en haut à cette saison-là, j'ai pris une veste comme ça qui est assez mince quand même, qui est toute noire de marque Decathlon avec une capuche. Il n'y a aucune inscription, vraiment toute noire devant et derrière. Voilà, et ça ira très bien avec le reste de la tenue. Au niveau des pyjamas, j'ai pris chez Kiabi cette petite jupette que j'avais déjà pris dans un autre imprimé et que j'aime vraiment bien. Ça fait un style jupette alors que c'est un short. Et j'aime bien. Elle était seulement à 7 euros à la base et avec moins 40%. Donc j'en ai profité, même si l'imprimé n'est pas vraiment de saison. Ça ira très bien au printemps. Et j'aime vraiment cette coupe, donc j'en ai profité. Je continue cette fois avec les accessoires. J'ai pris ce petit sac chez Kiabi. Il était à 14 euros. Alors, il ne fait pas vraiment sac hivernal, hein, je vous l'accorde. Mais je l'ai trouvé vraiment très joli, comme ça, tressé en bordeaux et beige. Vraiment, j'aime bien cette petite. Ça fait un petit peu une bourse comme ça. Et pour fermer, vous resserrez comme ça de chaque côté. Je le trouve très mignon, original. Vous avez la bandoulière qui se règle également en longueur, suivant comme vous voulez le porter plus ou moins long. Et voilà, je l'ai trouvé très très mignon. Et à l'intérieur, vous avez des petits rangements, dont un avec une petite fermeture. Donc voilà, je le trouve très mignon, ça chez Kiabi. J'ai repris une gavroche comme ça, toute simple noire, avec rien du tout sur les côtés, pas de boutons, pas de cordelettes, rien du tout. Je voulais une toute simple noire que j'ai trouvée chez H&M à 12 euros. Et vraiment, je la trouve super sympa. Elle est assez haute comme ça, c'est ce que je recherchais. Et voilà, toute simple comme ça, en style daim. Vraiment très très sympa. Je cherchais des bonnets, particulièrement un bonnet à double pompon. Je n'arrive pas à en trouver nulle part. Et j'ai réussi à en trouver un seul modèle, qui est celui-ci, tout noir, que j'ai trouvé chez H&M. Et voilà, il n'y a que là que j'ai réussi à en trouver un, avec donc les pompons qui sont comme ça en fausse fourrure, tout doux. Je trouve vraiment très très sympa à 9,99 et j'ai pris également donc en simple pompon 9,99 également un beige comme ça assez épais comme s'il avait été tricoté à la main et avec un pompon comme ça tout doux aussi beige. Donc j'aime vraiment bien ces deux bonnets, je suis bien contente. Pour finir avec les accessoires, j'ai pris cette petite manchette dorée chez Adopt, dans la boutique Adopt, à 4,99. Je la trouve vraiment très très fine, très jolie, vous voyez. Ça fait très très fin, ça fait pas du tout ma stock. Voilà. Et ces boucles d'oreilles qui sont dans le thème de Noël chez Kiabi, celle-ci. Qui sont à 5,95 et c'était la dernière paire d'ailleurs, comme vous pouvez voir, des petites décorations de Noël. C'est assez fin, assez discret, on n'est pas là avec des grosses boules rouges aux oreilles, donc voilà, c'est assez subtil pour Noël. C'est sympa, ça va bien que vous ayez les cheveux détachés ou attachés, ça ira très bien, c'est très joli.
Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos articles préférés. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!